merveilleuse. Aujourd'hui, nous allons travailler nos abdos profonds, vallés, renforcer notre sangle abdominale et rien de mieux que la méthode Pilates pour pouvoir y arriver. Pour cette séance, pas besoin de baskets, pieds nus dans des vêtements confortables. Et puis, si vous êtes prête, eh ben, on va commencer par l'échauffement. On va venir se placer sur le dos. Allez, hop, je dépose mon dos sur le sol. Je rapproche les talons. Je viens placer les mains de chaque côté. Ah, ça fait du bien. Non, non, on va travailler. Hein. On va pas rester là. Super. Sphincter, pipi, nombril. Donc, je serre les fessiers, je serre le périnée, je rentre le ventre. Mon nombril complètement aspiré. Et je colle les lombaires au sol. Et je vais enrouler mon dos, lever les bras et redescendre. Avec la respiration, j'inspire. Et j'expire, je redescends, je relâche et j'inspire. Je redescends et encore. Petite dernière et je reste là-haut. Voilà, rentrez bien le nombril. Sentez que là, il n'y a pas du tout de place pour même qu'un doigt puisse passer. Et je reste, et je reste, et je reste, et je relâche. Ok, on va venir placer une main de chaque côté. Des oreilles, hop, et pensez bien que quand on se lève, c'est pas la tête, mais c'est la poitrine. Donc là, je me lève, super, je pivote, je reviens, je relâche, et je me lève. Je pivote de l'autre côté. Là, on vient échauffer les obliques, on continue sur le mouvement. Parce que forcément, au niveau des abdos, on va travailler le grand droit, les obliques, et puis le transverse. Allez, encore une fois, de chaque côté, je relâche. Et encore, totalement. Là, je viens relâcher les bras derrière et les jambes devant. Super. Et là, je vais venir aller toucher mon pied. Voilà, sans trop lever la tête. On va dire plutôt, je lève la tête, mais je ne décolle pas les omoplates. Allez, j'inspire et j'expire. Encore. Ok, pour finir l'échauffement, on va aller monter un peu plus haut. Allez, hop, un peu plus haut. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Placez les bras de chaque côté. Ramenez les genoux. Et on va juste osciller de droite à gauche. Relâchez le bas du dos, allez chercher un peu les obliques, je ne peux pas trop aller de l'autre côté, j'ai mon émetteur, on revient, on pose et puis on se dit que bah, on va bientôt repartir pour vraiment faire les exercices. Donc on a 6 exercices que l'on va réaliser, beaucoup de concentration en lenteur pour travailler les muscles profonds, il va falloir de la résistance. Je vais placer les deux mains de chaque côté des oreilles, ok, j'inspire, on y va ensemble. Ok, je décolle, je ramène les genoux vers la tête, super, ici, je vais tendre les jambes, j'ouvre un peu plus, je ramène, je referme et je pose tout au sol, pointe de pied au sol, je repars, inspire, expire, je tends, j'ouvre, je referme et je pose, encore, inspire, voilà, super, on continue. Allez, tendez. Et je redescends. Encore un. Et je relâche. Super. Bougez les cervicales à droite à gauche. On va beaucoup les solliciter. Vous allez sentir que ça va tirer un petit peu. Ok, on relâche. Là, on va s'étirer. Entre chaque, on va s'étirer. On va refaire le même mouvement sans reposer cette fois. D'accord, on va un peu plus loin. Top, c'est parti. Je décolle. Là, par contre, pratiquement le même, mais pas totalement. Je plie, je ramène. Je plie et je ramène. Super, ouvrez un peu plus. Alors, sentez vraiment le niveau de vos jambes. Si elles sont trop basses, vous allez décoller les lombaires. Et donc, du coup, vous pourrez remonter les pieds. Et si vous êtes vraiment bien, là, vous pouvez descendre. Si vous sentez que ça tire au niveau des cervicales, quand vous ramenez les genoux, posez la tête. Là. Et posez la tête. Ok. Allez, on continue. Encore deux.
et je relâche. Voilà, relâchez totalement. Voilà, bougez les épaules. On s'étire et on revient. Cette fois, on va travailler juste sur le relevé de bassin. On va aller chercher au niveau du transverse et le bas du grand droit. Je pose les deux mains, je ramène les genoux. Et puis, hop, je vais juste monter que le bassin ici. Et je redescends doucement. Pas besoin d'aller tirer, monter les jambes en haut. Juste le bassin. Hop. Allez-y, continuez. Monte. Super. Là, vous contractez vraiment périnée, fessiers. Encore. Et relâchez. Inspirez. Sentez bien la contraction là au niveau du bas du ventre. C'est exactement ça. Allez, encore deux. Ralentissez. Et je relâche. Super. Très bien. Je vais me placer sur le côté. Tididi. Donc là, je relâche totalement. Vraiment, chaque côté, pointe de pied. Là, mon corps, il est vraiment aligné. Je viens de poser la main pour pouvoir être en équilibre et pas du tout tomber. Et là, je vais monter et les jambes et le buste en même temps. Et je redescends. Et je monte. Essayez vraiment de contrôler le mouvement. Là, on est en gainage. Donc, vous engagez les fessiers, vous engagez les cuisses. Inspire. Là, on est en train de travailler les obliques pour affiner la taille. Doucement, tranquillement et sûrement. Encore. Un petit dernier. Et on relâche. Parfait. On va passer de l'autre côté pour bien équilibrer. Allez, je viens m'allonger totalement. Je fais une belle ligne. Je pose la main. Je viens trouver l'équilibre. Voilà, pas trop derrière, pas trop devant. Sentez vraiment le côté de la hanche. Pointe de pied, comme une bonne danseuse, classique. Et c'est parti, top, je monte. Et je relâche. Inspire. Expire. On prend le temps de monter et de redescendre. Serrez les fessiers. Rentrez le ventre. Souriez. Et pour celles qui peuvent aller plus loin, montez un peu plus haut. Allez, on monte un peu plus haut. Super. Allez, très bien. Si vous avez un petit peu mal là au niveau de la hanche, vous pouvez mettre une petite serviette, un petit coussin tout fin, mais pas plus. Ok, super. On repasse sur le dos. Là, vous pouvez très bien sentir que ça, voilà, sur le côté, ça fait un petit peu mal. Là, vous pouvez mettre quelque chose pour pouvoir amortir. Ok, un petit peu de criss-cross. On se remet en position de crunch, les mains de chaque côté. On ramène les genoux à l'équerre. Et puis là, je viens chercher l'extérieur. Je tends une jambe. Je reviens ici. Et je reviens, je regarde mes genoux. Inspire. Expire. Tranquillement. Gardez toujours votre ventre engagé. Encore. Regarde vraiment l'extérieur du genou. Ouais, super. Allez. On continue, on ne lâche pas. Et puis on finit l'autre côté. Et on relâche, ramenez les genoux vers la poitrine. Et puis agrandissez. Relâchez, relâchez, relâchez. Waouh, super. On a fait la boucle des 6 exercices, on va repartir sur le premier. Donc main de chaque côté. C'est parti. Allez, on monte. Je viens dire bonjour. Je tends. Je ramène et je retourne le tout. Encore. Allez, regardez votre genou. Ouvrez, vous tendez pour refermer et poser au sol. Encore. Et toujours rythmé par la respiration. Allez, je ferme, j'ouvre, je referme et je pose. Encore. Je ferme. Super, encore un petit dernier.
Et je pose. Ça brûle ou pas? Oui, ça brûle. Ramenez les genoux à la poitrine. Bougez un peu le bas du dos. Ok. Le prochain, c'était en statique, sans avoir reposé. On avait les mains de chaque côté, puis on tendait les jambes et on refermait. Top, c'est parti. On y va. Hop, en crunch. Et je tends. Et je ferme. Et je tends. Et je ferme. Chacune à sa hauteur. Moi, je me sens beaucoup plus ici. Et si vous avez un petit peu mal au cervical, quand vous ramenez les genoux, vous posez la tête et vous tendez. Ok, les avancées. Tendu, ouvert, ferme, ramène. Tendu, ouvert, ferme, ramène. Allez, on continue. Alors, cassez pas la nuque, vraiment ouvrez vos coudes pour bien la poitrine. Et on relâche, ramenez vers. Ok. On vient poser. Là, ça va être extension du bassin. Pour aller chercher cette petite partie, juste en bas du grand droit. Allez, on plie les genoux, on les ramène. Et top, c'est parti, je monte. Hop, et je redescends. Comme je vous disais, pas besoin de projeter les jambes. Souvent, on le fait comme ça aussi. Et c'est plutôt pas mal. Mais là, moi, je veux vraiment que vous sentiez le fait que quand vous montez, vous contractez le bas du dos, les fessiers. Là, ça va faire boum, ça monte et ça descend. Inspire, expire. Et ça contracte même le haut. Voilà, ça monte jusqu'en haut, là, ici. Sentez comment ça contracte. Plus que deux. Dernier. Et on relâche. On vient passer sur le côté. Allez, on s'allonge. Comme tout à l'heure. Pensez à mettre quelque chose juste en dessous. Si vraiment ça fait un petit peu mal sur l'os, la main devant, pointe de pied, et c'est parti, go, allez, les deux en même temps. Et puis si vraiment c'est difficile de décoller les jambes, ben vous décollez que le buste, voilà, que le buste, et puis sur la fois d'après, vous allez décoller les jambes, d'accord? Ok, intermédiaire avancé, on monte plus haut, allez, plus haut. Inspire, expire. Allez, plus haut. Super. Alors faites attention à ne pas vous plier en deux vers l'avant, mais vraiment de garder cette ligne des pieds jusqu'à la tête. Resserrez le ventre, serrez les fessiers. Une dernière fois. Hop, je suis partie en arrière. Et on revient. Ben là, je suis partie en arrière parce que j'avais relâché les fessiers. Voilà. Ah, c'est sûr que ça ne loupe pas. Allez, on se met sur l'autre côté. On vient placer la main. Là, moi je suis bien en gainage. Hop, je suis bien engagée. Si je lâche, je peux maintenir presque. Allez-y, c'est parti. Hop. Alors, souvenez-vous, vous pouvez, si vous avez du mal, que soulever le haut. Voilà. Et sur le dernier tour, et bien là, vous devrez les jambes. Avec la respiration, inspire, expire. On contrôle vraiment chaque mouvement, chaque muscle du corps. Si ça pique un petit peu, vous pouvez très bien déplacer le poids du corps un peu vers l'avant ou un peu vers l'arrière. Je pars sur le côté. Hop. Et je relâche. Voilà. C'est pas évident, surtout lorsqu'on est mince. On a justement ces deux os là qui sont un peu... qui ressortent en tout cas et qui sont gênants. Criss-cross, zoup pour ces mouvements là, sinon on les aime bien. Allez, on se place, hop, hop, criss-cross, on va chercher les extérieurs tranquillement, je tends et je reviens. Ouh. Je pourrais même faire une photo là, tellement je suis bien engagée. Super. Et fermez pas les yeux, gardez les yeux ouverts, ça vous permet de donner une bonne direction. Et encore. Aspirez le nombril. Ça brûle? Oui, tout va bien. Encore. Et on relâche, ramenez les genoux vers la poitrine.
respirez maintenant, relâchez le tout. Agrandissez-vous. Troisième tour pour les exercices. On repart depuis le début. On vient passer les mains de chaque côté. Allez, allez, allez. On y va, on y croit. C'est parti. Allez, inspire. Et on ouvre. Ramène. On dépose le tout. Allez, inspire. Expire. Inspire. Et on dépose. On continue. Allez, on est ensemble. On ne lâche rien. Super. Allez, encore. Allez, 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 allez. Plus que deux. Et un dernier. Et je relâche. Waouh. Ça fait du bien. Vous sentez comment ça travaille dans les bras en profondeur. Et ça, c'est super. Surtout pour celles qui veulent voir se dessiner leurs abdos. On tient le bon bout. Le deuxième. Ah. On inspire. On monte. Hop. Ici, c'est parti. Je tends. Et je reviens. Inspire. Et expire. Ok. Essayez d'allonger votre dos. De ne pas avoir le dos qui rentre. Ouvrez les épaules. Voilà. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Avancez. Ouvre. Ferme. Ramène. Et si vous avez fait mal au cervical, quand vous ramenez, vous posez la tête. D'accord? Super. Encore. Allez. Et je relâche. Très bien. Le prochain, extension du bassin. Allez, on va s'étirer encore un peu. C'est bien entre deux. Pour lâcher un peu ces muscles qui sont en tension. Et on va revenir pour se relever le bassin. Hop, on monte les jambes. Et top, c'est parti. Allez, on monte et monte. Et monte, super. Allez. Vous testez avec les jambes tendues. Si certaines veulent, pourquoi pas. Allez, hop. Il faut vraiment avoir la maîtrise. Hein. Prenez votre temps pour descendre. Ok. Très bien. Encore. Avec la respiration, j'inspire quand je monte, j'expire quand je descends. Utilisez vos mains. Et relâchez. Allez-vous. Et on passe sur le côté. Voilà. Et on relâche. C'est parti, pointe de pied et hop. Alors pour celles qui n'avaient fait que le relevé de buste, maintenant vous faites que les jambes, c'est-à-dire que ça donne ça. Hop. Que les jambes. Intermédiaire avancé, on monte les deux. Encore plus avancé, on va encore plus haut. Allez. Rentrez le ventre. Essayez de garder cette ligne. Les pieds jusqu'à la tête. Et souriez, souriez, oui. Allez, on lâche pas, continue. Encore. Un petit dernier. Et je change de côté. Très bien. Très, très bien. Allez, on lâche. On profite pour récupérer. Alors, vous avez 20 secondes pour récupérer, je ne vous dis pas. Parce que si je vous disais à chaque fois, vous serez fixé sur le temps. Donc je ferme pas, vous donnez ça. On tend les pieds, top, c'est parti. Allez. Inspire et expire. Alors celles qui ont fait que les jambes, vous gardez les jambes. Allez, montez-moi ces jambes. On ne relâche pas le corps, on continue d'engager les cuisses, les fessiers, le ventre, les épaules. Allez, les avancer beaucoup plus haut. Plus haut. Encore. Aidez-vous de votre respiration. On s'est inspiré par le nez, expiré par la bouche, c'est très important. Et on relâche. Waouh, dernier exercice.
On passe sur le dos, le criss-cross. Allez, petit dernier. Ah, tranquillement. Les mains aux oreilles. Je décolle, jambes à l'équerre. Et top, c'est parti. Inspire et reviens. Et revient. Tout en maîtrise sur les mouvements, vous les connaissez. Toujours l'extérieur du genou. Arrêt sur image au milieu. Et je repars. Allez, je tends bien la jambe, point de pied. En une danseuse classique. Allez. On continue. Ouvrez bien. La cage thoracique, super. Ici, prends la main devant. À la même côté. Et on relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Super. Bravo. Allez, torsion à gauche et à droite. On écarte les bras. On relâche. Well done. Et l'autre côté. Très bien. Je reviens. Hop, petit massage du bas du dos. Et puis c'est fini. Je passe sur le côté pour enlever. Je remonte avec cette peur. Super. On passe plat. Je flexe les pieds. Et puis hop, je vais me relever. Super. Bien. Et bien écoutez, bravo à vous. Vous avez senti vraiment ce travail en profondeur. C'est vraiment ce dont on a besoin aussi lorsqu'on travaille les abdos. N'oubliez pas, c'est une séance que vous pouvez doubler si votre objectif c'est ventre plat. À très bientôt pour une prochaine séance. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. Et puis si vous souhaitez recevoir des conseils pour une bonne pratique sportive, alors inscrivez-vous pour recevoir la newsletter de mon blog sur le site Coach Sportive au Féminin. Et puis, restons connectés. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et puis sur les réseaux sociaux.